cet instant que ma mère commençait à chanter. Et sur la route des vacances. Non, moi, c'est à cet instant, quand les enfants rentraient dans la voiture, qu'on commençait à chanter « Pirouette, cacahuète !» Bon, tu ne penses pas au mal de mer. Ah ouais, le levier de vitesse sur le haut, là, c'est trop bien, ça. Ouais. Oula. Gros camion. On va freiner. Non mais là c'était un freinage d'urgence, il faut tester le freinage pour montrer que la DS freine. D'accord. Je ne le referai plus. Un grand moment d'émotion au niveau des intestins, je pense. Voilà. Alors, comment ça se passe ces vitesses là? Là, alors, les vitesses c'est simple. Première, voilà. Au doigt. Il n'y a pas de débrayage. Ça, en fait. Ah non, le débrayage est automatique. Exactement. Ça c'est fabuleux. Embrayage automatique, accélère. C'est-à-dire. Il n'y a pas de pédale. Il n'y a pas de pédale. Il n'y a pas de pédale de débrayage. C'est une boîte de vitesse semi-automatique. Donc c'est exactement la voiture de papa. Ah ben oui. Dès les premières DS, c'est comme ça? Ah oui. La DS est sortie au salon de Paris le 6 octobre 55 avec la boîte de vitesse semi-automatique. Comment? C'était une nouveauté? Ah ben oui. C'était une voiture qui était très en avance sur son temps. Les journalistes ont écrit à l'époque, elle a 20 ans d'avance. Enfin, le clou du salon est sans contredit, la DS19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité. Ligne hardie et visibilité panoramique, vaste main arrière. Plus de pédales d'embrayage. Volant souple à une seule branche, suspension inédite, un ensemble de solutions originales. Boîte de vitesse semi-automatique, puisque vous posez la question. Mmh. Direction assistée. Direction assistée. Direction assistée, c'est fabuleux. À l'époque, on se faisait des bissades, quand on tournait le volant. Alors, freinage assisté, tu as vu, avec frein à disque à l'avant. Ça aussi, c'était une nouveauté. Aucune voiture avait des freins à disque à l'avant. Et puis, La suspension, évidemment. Et puis, la suspension. La suspension hydropneumatique à hauteur constante. Alors ça aussi, c'était du jamais vu. L'élasticité de l'air et la souplesse de l'eau sont associées pour votre confort dans la suspension hydropneumatique. Le jeu contraire de ces éléments maintient la carrosserie toujours horizontale. Je m'appelle Jean-Paul Cardinal, j'ai 65 ans, je suis marié, j'ai une fille, et j'ai fait toute ma carrière chez Citroën, et je suis entré chez Citroën pour cette voiture parce que ça me semblait très intéressant. J'ai le bureau d'études et je rêvais de travailler au bureau d'études Citroën. En plus, il y avait le mystère. Citroën, c'était vraiment très fermé. C'était le secret. Alors, bureau d'études, travailler au bureau d'études. J'imagine la joie du père de famille ou je sais pas quoi le jour où il s'est acheté sa DS quand même. Ah oui, dans les années 60. C'est vraiment. Ah oui. Là, ça devait être quand même un moment important de la vie quand même. Ah oui. Bah, cet objet faisait partie de la famille. Elle n'était pas traitée seulement comme un objet. Comme quelque chose de très très important. En tout cas, dans ma famille, c'était une voiture qui avait sa place. Moi, je me rappelle. Mon mari me disant toujours, ne claque pas la portière, ça n'est pas une de chevaux. Mon mari aimait beaucoup Citroën. Ça devait être en 63, on a acheté la DS. C'était une voiture où tout changeait, la façon de conduire.
Hein, il fallait quand même, je crois qu'il fallait quand même s'y habituer. Ah, oui. Alors, ce qui était très étonnant, du moins à l'époque, ou du moins pour moi, c'est qu'avant de démarrer, il fallait attendre qu'elle monte. Oui. C'est-à-dire, il y avait quand même un temps de latence, il ne faut pas être pressé ni nerveux, vous voyez. Il fallait attendre que ça monte. Alors déjà, ça mettait les enfants en condition. Tu avais combien d'enfants? J'ai deux filles. Alors c'est surtout l'aînée qui a, évidemment, qui a des souvenirs. Et lorsque je lui ai demandé quels sont tes premiers souvenirs de la déesse, maman, on s'arrêtait tous les quarts d'heure. À ce point-là. Je sais que moi, mon mari a gardé un souvenir ému, je vous dis, vraiment, quand il en parle, ça a été ma meilleure voiture, mais je ne suis jamais montée à l'arrière. Ah. Je dois dire, je ne l'ai jamais conduite, mais je ne suis jamais montée à l'arrière. Ah bah, tu vois, la National 7, c'est toujours tout droit. Toujours tout droit. Toujours tout droit. C'est encore loin la mer. Ça me fait vraiment un effet, moi qui travaille à Nostalgie, un coup de nostalgie, mais grave là. Ah ouais, tout, même les poignées de porte, ce clic-clac là. 40 ans en arrière là. Mais alors toi, t'as été élevé dans une déesse. Oui, j'ai été élevé dans une déesse, c'est-à-dire que effectivement mon père était un fan de déesse. Et je me souviens qu'à chaque nouvelle acquisition de déesse, on était presque obligé de descendre de l'appartement pour aller admirer la nouvelle acquisition de mon père. Alors cet après-midi, tu fais des courses avec Adèle. Et n'oublie pas, ce soir, on dîne avec Jacques. Mais enfin, de toute façon, je reviendrai te voir. Et alors donc ce que je voulais dire aussi, c'est en remontant dans cette déesse, parce que je crois que je ne suis pas remontée dans une déesse depuis cette époque-là, c'est la perspective, la taille de la voiture. Pour moi, c'était un camion, cette voiture. C'était une énorme voiture. Et là, me retrouvant derrière, à ma place, tu vois, finalement, c'est pas si... Il n'y a pas d'angle mort. Non, c'est une grosse voiture, mais c'est pas si gros que tu l'imagines, que je l'imaginais. C'est superbe. C'est pas si imposant. Enfin, en revanche, au niveau du confort... Ça n'a pas changé, hein. C'est toujours aussi mou. Ça le fait de passer en DS à Orly. Ça fait très années 60 Orly, là, la DS qui passe à Orly. Inauguré en 63, je crois, ou 61, je sais plus. Orly ? Ouais, par De Gaulle. Il n'y avait pas de concurrent, la DS. Est-ce qu'il y avait une voiture ? À l'époque, c'était la frégate de Renault. Oui, mais comme forme, vraiment, ça a été le... Révolutionnaire. Ah, bon. C'était l'OVNI. La première fois qu'on a vu la DS, on peut pas imaginer à l'heure actuelle. Parce que ça a été comme choc. Ah, c'était un choc, oui. Parce que le profil de la DS, c'est un profil aérodynamique et tout ça. Ce sont des lignes très... Ah oui, très pures. Très pures. Ça, c'est Flaminio Bertoni qui a dessiné la traction et puis la deux chevaux et bien sûr la DS. C'est un génie. Nous vous la présentons suivant le procédé souvent utilisé pour montrer les sculptures. C'est ainsi qu'il faut la voir. Elle constitue une étape importante dans la révolution moderne des arts, dans la révolution qui nous amène vers un classicisme nouveau. Qu'est-ce en effet que le classicisme, sinon un retour au solide géométrique simple? Le palais du Knip, Brasilia, la déesse 19 sont parmi les grandes œuvres du classicisme moderne. Vous les acceptez parce qu'elles vous vainquent, parce qu'elles triomphent de votre attachement à une esthétique dépassée. En art, les véritables grandes œuvres ne sont pas pétries avec des regrets. Je me présente, d'accord? On attend, on attend, on dit rien. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu?
Alors, je m'appelle Michel, j'ai 48 ans, je suis né presque en même temps que la déesse. Et d'une famille, on n'avait pas de déesse parce qu'on était une famille nombreuse, mais mes parents avaient beaucoup d'amis avec des déesses, donc j'ai fait pas mal de voyages en déesse. Assez impressionné par le standing de la personne qu'on avait une et par le type de comportement que ça induisait un peu. C'est-à-dire qu'on n'imaginait pas quelqu'un qui, avec le coude sur la portière, en train de dire t'as eu ton permis de conduire dans une pochette surprise. Enfin, il y a une certaine classe. Oui, quand même. La DS induisait une certaine classe de comportement. Et mon premier souvenir de DS, c'est un ami de mes parents qui nous a emmené, moi et un de mes frères, faire un tour comme ça. Et il était tellement content de sa DS que je me souviens, je devais avoir 7 ou 8 ans, il faisait du 180 sur une nationale. Ah, oui. Et c'était ça son rêve, quoi, son plaisir, c'était que c'était une voiture qui pouvait aller très très vite. Il faut savoir que la DS a quand même gagné deux fois le rallye de Monte Carlo, ou de rallye africain, tout ça grâce à ses qualités routières. Oui, baraque et gauche moyen long, ça va faire difficile. La DS, pour moi, c'était quand même, tu vois, la voiture du médecin, la voiture du notable, la voiture du préfet, la voiture du cadre supérieur quand même. Il y avait ce côté-là, donc... Et d'ailleurs, voilà, je trouve... J'ai pas l'image de la DS récupérée après par des familles d'immigrés en route pour le Maroc avec 12 matelas. Non, hein, c'est vrai que ça t'arrive. Puis même dans les années 70, les hippies, les babacools, ils avaient pas de DS parce que... C'était pas... trop bourgeois. La DS, c'était pas une voiture familiale. C'était pas une voiture qu'on chargeait jusqu'à la gueule avec les matelas sur le toit. Ah si, moi c'est un synonyme. La DS pour moi était un vrai synonyme de vivre les vacances. Parce que c'était. Moi j'habitais en province, dans une petite ville de province qui s'appelle Thionville. Et c'est vrai que justement à l'inverse, c'était une voiture qui n'était pas chargée, il n'y avait pas les valises sur le toit et tout, mais qui était vraiment synonyme de vacances. Et on partait, c'était carrément un cortège de DS, parce qu'il y avait mon oncle avec sa DS, il y avait mon père avec sa DS, puis il y avait un copain à mon père avec sa DS. Quand on sortait de l'Est, à l'époque, c'était quand même le pays de la sidérurgie, avec des villes qui étaient des villes ouvrières, à Gondange, à Yange, qui étaient des villes, mais dortoirs. Et c'est vrai que quand on traversait ces villes, c'était vraiment la route des vacances. Quand bien on sortait sûr. D'une enfin, fumée, laissait, quand même, qu'on ne voyait on plus. Voilà. Et on laissait tout ça, et que les routes commençaient à devenir... Enfin, ça commençait à sentir bon, quoi. Il est maintenant 13h et vous écoutez France Inter. Édition 13h. Beaucoup nous écoutent aujourd'hui en voiture. Cette première route est pour des milliers de Français. Le début de 30 jours de vacances, tant attendu. Mais pour savoir qu'il y a un accident. Oui, il y a quelque chose, parce que c'est pas possible. René Dumouriez qui se trouve au PC du fort de Rosny. Le problème, c'est que à partir de maintenant, ça ne bouge plus. L'accalmie à cette heure-ci, elle ne dure pas et il n'y a pas d'accalmie et donc les bouchons restent les mêmes. Sur la Nationale 10 à Chartres, Châteaudun, Cloix, Poitiers, Angoulême, Saint-André de Cuzac, sur la 20 à Vierzon, Salbris et Issoudun. Puis en direction du sud, bouchons également sur la Nationale 7, Saulieu, Sennecey-le-Grand, Tournus et Crèche. Voilà. Bien, alors... il y avait des DS break. Ah oui, la DS break était très logeable à l'arrière. Il y avait des DS qui ont été décapotables à un moment donné. Et alors ça, moi, j'aimais pas parce que je trouvais que... C'était gâcher sa forme initiale. Un piège à filles. Un piège à filles, c'était plutôt la petite MG. Oh, la DS décapotable, ça devait marcher quand même. Quoique les voitures officielles étaient des voitures décapotables, des DS décapotables. Non, ah, non. Jamais de la non. Non. On voit le général découvrable. Effectivement, ils avaient aménagé un toit ouvrant. Oui, le général de Gaulle, toit ouvrant. Le toit. De toute façon, il aurait fallu parce qu'il était tellement grand que... Le toit s'ouvrait jusqu'à l'arrière. Thank you.
me souviens de son voyage officiel à Angers. C'était en 67. Il est venu à Angers en voyage officiel, comme il faisait, avec l'estrade sur la place principale. Les gens étaient en foule et là, on a vu arriver le cortège des déesses. La déesse, pour moi, c'est la voiture de mes deux pères en politique, c'est-à-dire, un, mon père biologique, qui m'a tout appris en politique, et puis deux, mon père spirituel, le général de Gaulle. Donc, vraiment, la déesse, elle a une charge émotionnelle pour moi tout à fait considérable. Dans ma famille, mon père s'est acheté une déesse. C'était presque quelque chose de transgressif. Ce sont des voitures qui explosent de couleurs. On a des bleus, des aubergines, des verts wagons. Et la première chose que fait mon père qui quitte des voitures noires, c'est de s'acheter une voiture bleue avec un toit crème. C'est une révolution extraordinaire. Votre père utilisait sa voiture ? Oui, alors mon père utilisait sa voiture, bien entendu, pour faire ses tournées électorales. Évidemment, c'était l'époque, hélas, où on collait encore. Mais mon père, à l'arrière de sa DS, avait installé une sorte de mini-laboratoire. Donc il avait mis des espèces de petites armatures en bois dans lesquelles il y avait une logette à l'arrière de la DS pour les affiches, une pour le pot de colle, une pour les pinceaux avec des espèces de garnitures qui empêchaient évidemment de salir les choses et ça lui permettait de faire de la rectification de collage. C'était du fignolage. La DS nous permettait le fignolage. J'étais fier que mon père roule en DS. Bien sûr. J'étais très fier. Pour moi, il était un homme... Ça a été pour moi aussi un facteur d'adhésion à lui, parce que c'était un homme qui se mettait résolument dans la modernité en achetant cette voiture, et c'était un élément pour moi de complicité. Donc c'était vraiment une nouvelle époque qui s'ouvrait à nous. On changeait le franc, les anciens francs passaient en nouveaux francs, c'était le programme aéronautique, la caravelle, c'était le programme électronucléaire français, c'était... La France rentrait dans l'ère de la modernité et on n'imagine pas, je crois maintenant, à quel point une voiture a pu marquer l'entrée dans une nouvelle ère politique. Vraiment pour moi, la DS c'est 58. C'est l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir. Avec l'aspect tragique, parce que l'attentat du petit Clamart, il est quand même étroitement connoté à la DS. C'est ici que s'est déroulé à la nuit tombante l'attentat contre le général de Gaulle. De sa voiture filait à 100 à l'heure vers l'aérodrome de Villacoublay lorsque les tueurs déclenchèrent leur tir. L'enquête devait révéler que 3 rafales au moins fusèrent de part et d'autre de la route suivie par le chef de l'État. Le nombre des balles relevées sur les lieux de l'attentat est tel qu'on peut dire que le plan des conjurés n'a échoué que par miracle. 6 balles ont atteint la déesse présidentielle, dont une a traversé la carrosserie du côté où se trouvait le général de Gaulle. Tandis que l'enquête commençait pour retrouver les auteurs de cette odieuse tentative d'assassinat, Colombey les deux églises, mieux gardées encore, a réservé un accueil inhabituel au général de Gaulle, qui a assisté à la messe comme chaque dimanche. Ah, t'es chiante, tu prends toute la place. Oh, mais dis donc, je t'en prie. T'as pas le droit de franchir là. Oui, c'est ça. Non, attends, on va mettre ça entre nous, comme ça on se touchera pas. Moi, je m'engueulais avec mon frère, souvent dans ces longs voyages. Parce que, étant malade en voiture, je ne l'aurais jamais assez dit, la seule position où j'étais bien, c'était la position allongée. Et que ça, c'était pas très drôle pour lui. Et c'est vrai qu'on avait l'habitude de se battre.
en voiture, donc ce qui énervait beaucoup mes parents. Et mon père s'arrêtait, et mon père s'arrêtait. Il nous engueulait. Ma mère qui nous prévenait, attention, votre père va se fâcher, arrêtez. Oui, mais c'est lui, nanana, ouais. Ah, c'est fini, toutes les deux, oui. Oh, pas bien de faire tenir ce chien tranquille, enfin. Pas 120 km, on n'y sera jamais pour 18 heures. Si on n'avait pas perdu tout ce temps à charger la voiture et à chercher le goûter des petits. Après une grosse engueulade de papa, maman qui est donc qui était à côté de papa, c'était un geste tendre, et ça je m'en souviens à l'instant. Oui. Elle lui mettait la main sur le cou et elle lui caressait la nuque pour le calmer. Pour le calmer. Ah, oui. Parce que mon père était. J'imagine bien ma mère, au lieu de vous disputer, regardez ce château comme il est beau, ou tu vois, parce qu'on est. D'ailleurs, c'est vrai, il est très beau ce château. Mais enfin, tout se terminait toujours par des chansons. Bien sûr. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne à la maison. Tout, 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 tout. J'avais pas venir ça. Je le cherche partout. Je le cherche partout. Ça manque un peu de musique dans la voiture, bon, papa. Alors, pas. Papa ne répond pas. Papa conduit. Papa, s'il te plaît. Absorbé par la conduite. Alors, vous voulez la radio. Est-ce que t'as amené le mini cassette? Ah non. Oh, bah écoute, c'est toujours pareil avec toi, on peut pas. Voilà, on te demande un truc. C'est tu votre mère qui devait s'en occuper. C'est qui devait s'en occuper? Non, maman s'est déjà occupée des valises, du pique-nique. D'ailleurs, quand est-ce qu'on mange? Parce que tout à l'heure, on va attaquer la montagne. On arrive quand? Il y a la chanson de Nino Ferrer, Les cornichons, de la moutarde. Ah oui, j'adorais! De la moutarde. Non, il y en a un que j'aimais beaucoup, c'était Paul Naref. Ah oui. Ah oui. Oui, tu as raison. Oui. Paul Naref. C'est une poupée qui fait. Non, c'était comment? Oui, c'est ça. Qui fait. Non. Toute la journée, elle fait. Non. J'aimais bien Alain Barrière. Un fait pour Alain Barrière. Alors Alain Barrière. Ma vie, non. Ma vie. Le beau Zorro, le grand Zorro, avec son cheval et son grand chapeau. Pour s'occuper, on avait des jeux idiots. C'était par exemple. On comptait les voitures. Il y avait les voitures. Il y avait aussi même. Alors les bonnes sœurs, tu avais 5 points. Le premier qui voyait une bonne sœur, il avait 5 points. Le premier qui voyait un curé, il avait 10 points. C'est vrai. Le premier qui voyait. Je sais pas, un pompier, on se faisait des trucs comme ça. Il y avait aussi les jeux, les télécrans. Ah oui, avec le bruit du sable. Il y avait aussi ces petits jeux, tu sais, qui existent encore maintenant, je sais pas comment ça s'appelle. C'est dans un carré, tu as des petites. Le pouce-pouce. Oh bravo. Hein? Et Génial. Ça, j'en avais toujours pour les enfants, c'était formidable. Il fallait réussir à les mettre dans l'ordre, exactement. Finalement, tout a été inventé dans les années 60. Enfin, ce genre de truc, oui. Les gadgets, d'ailleurs, la grande mode des gadgets. Du tac-tac, les deux boules, là. Tac-tac-tac-tac. Tac-tac-tac. C'est vrai que quand j'avais 25 ans, avec des beaux cheveux bruns, j'avais un certain succès auprès de la gente féminine, je l'avoue. Et le fait d'avoir une déesse, ça classait. C'était
C'était le petit bus. C'était le petit bus. Tu as quelques détails Ah non, non, non. Non. Blond, pas brune, rouge. Il y avait un système pour abaisser le dossier du siège. Et on tirait la manette et le dossier s'abaissait complètement, à plat. Ça forme un lit, quoi, qui est très confortable et très pratique pour faire la sieste. Alors, disons une sieste polissonne. Voilà. Et j'étais en présence d'une jeune fille, d'une belle jeune fille, qui était assise à ma droite. Et j'ai voulu lui faire une surprise en abaissant un peu trop rapidement le dossier du siège. Et lorsqu'elle s'est renversée, eh bien, je lui ai ouvert les lèvres avec ma dent. Là, tu vois, c'est du vice. Quelque chose qui m'inquiète. Ah non. J'ai un témoin, le témoin de charge batterie qui vient de s'allumer. Et alors ? De l'alternateur ? On a gardé. Oui, j'ai connu ça au bureau d'études et après à la prévente. Bah, je pense que c'est là une cosse à la sortie du alternateur qui était peut-être un peu. Ah ouais. Peut-être. L'excitation d'alternateur. Ouais. Peut-être. Ouais. Vous voulez que j'essaye là ? Oui. Formidable. Merci. Là, moi, c'est beau. Ouais. Par derrière. Non, parce qu'elle tourne pas. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que les DS avaient ? Ça ne montait jamais trop haut. Voilà. On va faire ça plus tard. Hein. Oh, pas bien. Mon père avait la même. Ça fait mal. C'est quand même propre dessous. Non, mais... Très très propre. Elle est propre, oui. Ouais, ouais. Très fiable. Donc, on a eu des clients qui ont fait 400 000 km. Oh oui, notamment plus. Autrement, ce qu'elle avait de plus, comment dire, en problème de fuite, c'était les directions, c'est tout. Oui. Ouais. Voilà. Autrement, ce qui était le reste sur une DS, ça n'avait pas... La pompe à vélo, oui, qui fuyait. Ouais. Des prises d'air, à ce niveau-là, ici. Là. Les durées de fendaient, ça pompait donc, de l'air. Ça aspirait de l'air. Autrement, non, il n'y a pas eu... Enfin, les joints raccords à resserrer, voilà, tout à fait. Le problème de l'injection, ce qu'elles avaient, c'est quand elles ne roulaient pas depuis longtemps, elles arrivaient à prendre feu. Parce que les durites séchaient, et comme la pompe poussait à 2 kg, que le gars démarrait, avec les étincelles, hop, les voitures prenaient feu. C'est de la mécanique. C'est de la mécanique. Là, c'est de l'électronique. Là, c'est mécanique. Moi, avec mes mains, je vais tout faire sur la mécanique. Là, ce que sont les véhicules maintenant, c'est tout concentré, c'est tout serré. Tout est serré. Il y a en capteur, en sonde, le moteur, il y en a partout, quoi. Enfin, la grosse amélioration, c'est l'électronique. C'est l'électronique qui, le mariage de l'électronique et de l'hydraulique a apporté un progrès considérable. C'est voilà la grosse différence. Ouais. Parfois on dit, oh ben, non, c'est ça. L'axe du moteur, là c'est très accessible. Ah ben oui, alors sur le plan mécanique, bien sûr, voilà. Il y a des grandes différences. Mais là on peut bricoler ça, mais ça moi je ne peux pas bricoler ça. Peut-être que je mets les mains là-dedans. Ça c'est un objet d'air. Vous avez ça à vous personnel? Et qu'est demandé à Serge, il ne va pas s'en séparer comme ça. Hein. Je pense pas. On me demande souvent pour faire des mariages avec. J'en ai fait. C'est vrai, c'est quand même joli. Il y a une fois, on décorait ma voiture dans le coteau, il y avait une Jaguar à côté, mais tout le monde regardait la DS. C'est marrant, mais. Ah ouais, mais il faut être amoureux, c'est tout. C'est la mécanique, hein. Ouais. Il faut aimer son métier. On va passer dans les là, ça la région à vomi là parce que ça. Oh là là, et on peut pas se tenir en plus, il n'y a pas de truc pour se tenir. Oh.
des motards, hein. Il avait quand même une technique, Jean-Paul, excuse-moi, oui, que tu n'as pas pendant les virages, parce que lui, il faisait attention à ses enfants. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était attentif au fait que sa fille était bien malade en voiture. Et alors, les... il avait l'habitude de couper de les virages. Le volant, tu sais, en saccadé comme ça, mais doucement, pour aborder les virages. Il tournait le volant, comment on peut dire, comme ça, quoi. Plus doucement. Non, plusieurs fois, c'est-à-dire un petit coup, ah oui, deux coups, trois ah coups. Oui. Oh non, moi je tourne ça progressivement. Et comme ça, ça amortissait un peu le... Ah, tu crois? Tu n'avais jamais vomi en voiture? Moi, vraiment, non. Vraiment? Moi, non. Moi, non, la voiture? Les enfants, ouais. Oui. Non, surtout ma fille. Moi, un bateau, oui. Oh, ça, c'est le traumatisme de mais l'enfance, hein, c'est quand même... En voiture, non. En DS, oui, ça m'est arrivé. Pourtant, hein. j'ai fait des dizaines de milliers de kilomètres en DS. Ah si, moi, mon papa s'arrêtait sur le chemin, on avait juste le temps d'ouvrir la porte. Ah, c'est-à-dire oui. Que ah, oui. C'était même pas dire, bon, allez, on l'emmène un petit peu plus loin pour que, justement, personne ne la voie. Ça, c'est l'horreur. C'est abominable. Ah, l'odeur, c'est terrible. Bien aussi, eh ben il faut changer la roue. C'est un peu ça. Bon. C'est facile d'avoir la guerre aussi. Je te donne une chose. Sûrement. Pas de peur, mais... Oh. C'est la voiture de James Bond, en fait. Voilà, tu la soulèves légèrement, tu la prends et tu la retires, tu la soulèves. Voilà, et tu la... Voilà. Génial. Non. Voilà. Alors, maintenant, on desserre. Voilà. Alors, pour t'éviter de trop forcer, tu vois, là-dedans, voilà. Et voilà, et puis un coup de pied. Voilà. Et puis, là, tu vois, tu es dans la... C'est où ? Là ? Là, là. Ah, tu vois, là, voilà. Ça ? Mets ça comme ça, ouais. Là, baisse. Il n'est pas dedans. Il ouais, faut bien le mettre dedans. Voilà. Bon, maintenant, je vais mettre en position basse. Le miracle va s'accomplir. Aux roues, lève-toi. Et la roue se lève. On va s'en priver, puisque ça existe, on peut monter la voiture, on peut la descendre. Donc c'était astucieux de trouver ce système. Avion sans ailes. Un jeu d'enfant. Je vous rends donc ceci.
Voilà, vas-y, explique-moi maintenant pourquoi ça a monté, ça descend. Je fais arriver de l'huile par là. Voilà. C'est de l'huile sous pression hein, qui arrive. Si je fais arriver de l'huile, si j'augmente le volume, qu'est-ce qui va se passer? Ça va monter. Et si j'enlève l'huile entre le piston et la membrane, là, qu'est-ce qui va se passer? L'huile sous pression libérée par le clapet pénètre dans la sphère et repousse le piston. La voiture revient donc doucement à son niveau. Quel que soit le point chargé, le même phénomène se produit. Le cœur mécanique permet donc à la voiture de retrouver sa ligne de flottaison à hauteur constante au-dessus du sol. Ça, c'est le fameux ingénieur Lefebvre qui a trouvé ça? Ça, c'est Magès. Magès. Qui était responsable ingénieur hydraulique, qui a fait. C'est le père de l'hydraulique chez Citroën. Ah oui, oui. Ah, très bien. Là, on est déjà plus au sud de Lyon, je pense. Ah oui, on est bien au sud de Lyon. D'ailleurs, ça se voit avec les tuiles. On est dans le pays des tuiles. Mais ceci dit, quand il n'y avait pas l'autoroute, descendre dans le Midi de Paris... Ah, c'était une expédition, hein. C'était long. National 7 qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Comme c'est joli. Oh, mignon ça. Là, c'est Charles Trenet. Ben oui, bien sûr. National 7. National 7, il faut la prendre, qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette. C'est une route qui fera 7. Et après, il dit National 7, qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Après, il dit, le ciel d'été remplit nos cœurs de sa... Attends. Remplit nos cœurs sa lucidité. Sa lucidité, je sais pas pourquoi. Chasse les erreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là, qui fait risette. On est heureux, National 7. Succès. Ah oui, ça a été très apprécié par la clientèle. D'ailleurs, le général de Gaulle avait beaucoup apprécié ce système de phare tournant. Il avait fait cette réflexion. Mais comment se fait-il qu'on n'y ait pas pensé avant?
moi, je ne partais pas en vacances avec mes parents. Mes parents ne prenaient pas de vacances. Mon père était artisan menuisier, il travaillait, et il ne prenait jamais de vacances. Ah bon? Ah non, non, non. Ah bah non. Le monde de l'usine, ça devait être fascinant. Tu arrivais de ta campagne, il y avait combien d'ouvriers à Citroën? Des milliers. Ça, j'avoue que ça a été très, très difficile au départ. Quand tu arrives dans une usine de la dimension de Citroën, parce qu'il y avait plus de 6000 personnes, il y avait 12000 personnes avec Javel, où on fabriquait la DS, il y avait Gutenberg, où on fabriquait les moteurs, Saint-Charles, où on fabriquait la boîte de vitesse, le 15e, c'était Citroën, quoi. Mais quand tu arrives dans une usine de cette importance, tu fais tout petit. Hein. Opération Portes ouvertes à Javel, où pour la première fois depuis la guerre, Citroën reçoit la presse dans son usine à l'occasion de la sortie de sa millionième voiture drapeau. L'injection électronique est le dernier perfectionnement technique de ce modèle qui voit le jour 14 ans après l'apparition de la première DS au salon, comme le temps passe. Formidable l'autoroute. Beaucoup plus sûr, autoroute. Ah ben bien sûr. Et ça correspond, enfin l'explosion des autoroutes en France, ça correspond à peu près à l'arrêt de fabrication de l'ADS 75. Oui, mais pourtant tout à l'heure tu regrettais le temps où tu pouvais débrider tes moteurs de mobilette, on n'avait pas de ceinture de sécurité, on n'avait pas de casque sur les motos. Entre 60 et 70, j'ai eu 3 DS. Et ces voitures ont jalonné une période fabuleuse de ma vie. C'était l'explosion industrielle, c'était le plein emploi, c'était la liberté. Il n'y avait pas de port de ceinture obligatoire, il n'y avait pas de... Il y avait la musique, l'avènement du rock, du yé-yé. La télévision n'était pas omniprésente. Tout le monde n'avait pas la télé. Et ça, c'était une période pour moi fabuleuse. C'est la période de la DS. Oui, c'est la période de la DS. C'est vrai que ce sont des années un peu d'insouciance. Il y a une espèce de retour de bâton. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas si ça va durer, tu vois, ce que je veux dire. Enfin, on sait que ça ne peut ne pas durer. Ouais. Alors que dans les années 60, on croyait que c'était pour toujours. Aujourd'hui, on est beaucoup plus cynique, on est beaucoup plus méfiant, on est beaucoup plus triste, on est désabusé. Il y a une plus grande lucidité, très tôt. Et une certaine forme d'intelligence aussi, puisque l'optimisme avait un côté naïf aussi. C'est une période morte. Bon, c'est comme ça. Mais moi, je suis très heureux de l'avoir vécu. Comment ça s'est arrêté l'aventure de la DS, l'aventure industrielle et commerciale? La DS s'est arrêtée en 75, au bout de 20 ans. C'était 20 ans de production. J'estime que c'est une belle carrière pour une voiture. Et elle se vendait autant Ah non, les ventes avaient baissé quand même. Chuté, d'autant plus
que la CX, sa remplaçante, était déjà commercialisée. Parce que la CX a été présentée quand même en août 1974. Donc l'arrêt de l'ADS était prévu, donc les ventes ont chuté considérablement. Après, l'usine a été démolie. C'est dommage d'ailleurs qu'André Citroën n'ait pas conservé quelque chose sur le lieu même de la fabrication d'ADS. Ça sonnait bien. Qu'est-ce que vous avez? Une DS23 Palace à injection électronique. Ouais. Et avec suspension à hauteur constante. Ouais. Avec les phares qui pivotent dans les virages. Ouais. Direction assistée. Trop bon. Et une boîte de vitesse semi-automatique. Non, arrêtez, c'est trop. Marie-Bonne. Je vais élever mes enfants. En 75, j'arrivais de province à Paris. J'étais un pur enfant des années 70. J'avais les cheveux longs et j'avais ma guitare. Et ben moi, j'étais éprise de liberté. Et je disais non à tout. Il faut que tu rentres dans la vie active. Ben non. J'avais envie de plein de choses et j'avais surtout envie de voyager. Mais je me souviens toujours de ma mère me disant quand je suis partie. Je suis évidemment pas spécialement joyeuse de devoir partir parce que je ne sais pas si tu reviendras, mais en revanche, je ne veux pas que tu aies un regret dans ta vie d'avoir raté ta vie à cause de nous. À 17 ans, je suis partie de chez mes parents parce que j'ai redoublé ma seconde, j'ai redoublé ma première, il était temps que j'arrête. Et mon père me court après dans la rue, on s'engueule, et il me donne 500 francs. Et me dit bonne chance. Et je suis parti le cœur léger, le cœur content. Moi, je me souviens que papa, quand il tournait comme ça dans les virages, il klaxonnait. Voilà. Oh, ce klaxon! Oh, c'est le vrai klaxon de la déesse. Ah, bah oui. Oh, ce son. Tu vois la déesse et que tu vois ces phares qui pivotent. Ça fait penser à des yeux un peu malicieux qui regardent à droite, qui regardent à gauche, qui regardent les voitures d'aujourd'hui et qui leur disent ben, « Regardez-moi, je suis encore belle, je suis vivante et vous n'imaginez pas ce que j'ai pu vous apporter. » Encore un petit coup, j'aime bien. Oui. Oh, j'adore. Ah, c'est un klaxon spécial, hein. Enfin la mer. We'll be right back.